C'est vous, Buck? Je croyais pas au Père Noël. Peut-être que je me trompais. Je viens pour mon ami Kiss. Ah, désolé, ce nom ne me dit rien. Vous l'avez acheté à Hoyt. Ah, lui. Mais il a dit qu'il s'appelait... Je suis mort de rire. D'accord, d'accord. On dirait que t'aimes pas rigoler. T'es sûrement Jason Brody. Écoutez, je veux juste Kiss. Jason, Jason, Jason. Il reste des gens civilisés ici. On fait du business, comme des bons petits capitalistes. J'ai quelque chose que tu veux, hein? C'est la marchandise, et t'as ce que je veux en échange. Alors ça, j'en doute. Calme-toi, calme-toi. Un peu de sang-froid. Si je disparais, tu le reverras jamais. Trouve ça pour moi. Si tu y arrives, on sera quitte, je te le garantis. Et qui se part avec toi? Ramène-moi ce qui a été perdu. J'ai déjà vu ce couteau. Quoi? Un couteau? C'est pas juste un couteau, ça! C'est de l'art! Y a plus d'histoire dans ce couteau qu'entre vos fesses, à qui c'est à toi? C'est le prix que je demande, ok? Et où est-ce qu'il est? Y a un chasseur de trésors qui savait où le trouver. Mais va se la débarrasser de son bateau, de toutes ses infos sur un supposé trésor chinois et de son équipage. Tu sais ce qu'il a trouvé d'autre? Le couteau? Non, pas le foutu couteau. Mais où il se trouve? Tu veux retrouver Kiss? Alors va sur le bateau et trouve l'artefact avant qu'on le pique. Allez, disparaît, fous le camp. Thank you.
l'emplacement du couteau est sur cet ordi. Le voilà. Cette boussole doit être importante. Il mène peut-être au couteau. Pour-toi, ordi de merde! C'est quoi ce merdier? Jason, réveille-toi. Debout. T'es sans doute heureux dans ton petit monde de fleurs et d'amour. Mais il faut plus que tu dormes. Debout. Il était temps. Alors, tu l'as ou pas, mon cadeau? Il était pas sur le bateau. Oh, Jason. Keys va vraiment être déçu, je pense. Aux dernières nouvelles, il était déjà pas au top. Pourquoi est-ce que vous me dites ça? Va savoir. Faut qu'on s'amuse, mon chou, ça te fera du bien. Et t'aurais pas trouvé une boussole. Excellent, je te félicite. Alors, selon les infos, il faut suivre la boussole. Heureusement que vous êtes là. Ouais, je sais. Alors, t'arriveras à te débrouiller tout seul? Kiss a besoin de moi. Ciao. Merde, si vous saviez où je devais aller, vous auriez pu me le dire, non? Jason, ça sert à rien de t'énerver. C'est pas moi le héros de la fable, c'est toi. Je suis qu'un spectateur là-dedans, mais j'aimerais que ça vaille le coup, hein? Laissez-moi passer. Non, t'as besoin d'un cours d'histoire avant, hein? Ça te dirait? Oui, alors écoute. J'aimerais que tu regardes un instant ce monumental hommage à l'ironie. Ces foutus de Jap, ils ont formé une super unité de... Enfin, qui est voué à la recherche de trésors servant à financer leur empire. Mais ces arriérés ont construit cette saloperie carrément au-dessus de ce qu'ils recherchaient au départ. Tu brûles de me demander qu'est-ce qu'ils cherchaient, Buck? Non. Je devrais t'en flanquer une. Non, sans déconner, mais tu sais quoi, j'ai mieux. C'est Kiss qui va trinquer. Ils recherchaient cette connerie de Chao Yang.
Un navire qui aurait appartenu à un célèbre général chinois du nom de Zhang He. Mais le petit Rafio, il s'est envolé, disparu, avec tous ses trésors, incluant, oui, mon foutu canif. Allez, surtout fais attention à toi. La leçon est terminée. Je vais le massacrer, cet enfoiré. Merde.
deux interrupteurs. Facile. C'est pas vrai. Ok, tout en douceur. Comment vous faites pour me retrouver? C'est fou, hein? Mais avec la jolie traînée de Maccabée que tu laisses, c'est pas dur. T'es aussi discret qu'une pute dans une église. Tu fais vraiment pas dans le détail. Bon, tu viens? Allez, tends-moi la main. J'ai pas votre couteau, ok? Non. Jason, là, tu me déçois. C'est qu'un foutu couteau de rien que je te demande, mais là, ça dépasse tes compétences? Ça te fait chier de me le ramener? Oh, monsieur préfère s'amuser, hein, Bergard? Je vais aller peindre une cible sur Keith pour jouer aux fléchettes. Tout ce que j'ai trouvé, c'est cet anneau. Tiens, c'est peut-être une pièce de la boussole. Ben j'en sais rien, serre-le, on verra. Merde, c'est de la vraie magie. Ben c'est fou ça, je suis subjugué. Allez, on se revoit, Jason. Vous savez très bien où je dois aller, non? Menti. Je sais juste où tu finiras. Le farceur. T'as décidé de prendre ton temps, là, non? Moi, tu sais, je commence à craindre que ton cœur n'y soit plus. Mais Jason, ça va aller. Regarde Keith. Keith, lui, il est tout le temps en train de pleurer. D'ailleurs, il commence à me casser les couilles. Fermez-la! Non, on a une autre leçon d'histoire à voir. Sois attentif. T'as pas oublié Zheng He et sa flotte célèbre qui recueillait des richesses pour les Ming. Tu t'en souviens? Oui, monsieur Buck, bien sûr que je me rappelle. Voilà ce que tu dois dire quand je te pose une question. Tu me réponds, ok? Eh bien, ce con de Zheng He, il a un capitaine Ling Kong. Et Ling Kong décide de disparaître avec le Shaoyang dans la Calais. Est bourré de 1000 trésors. Et il s'installe juste ici. Il a servi tous les locaux. Mais Zheng He, il est fâché, Zheng He. Et il lui ruine son empire en quelques années. Mais où est donc passé le trésor? Excellente question, petit Jason. On voit que t'écoutes. Eh bien, le trésor. Personne ne sait où il est. Il est plus sur le bateau. Hmm? Et Ling Kong envoie les secours, disparu. Les chasseurs de trésors cherchent le magot depuis ce temps-là. Les Japonais eux-mêmes ont mis l'île à feu et à sang pour ça, mais personne n'a trouvé. Et maintenant, c'est à toi, Jay. Hmm? Courage. Et bonne chance. Une grotte qui demande qu'à s'effondrer.
Les Japonais, les Anglais, tout le monde a eu. Ouais, ces connards se sont barrés vite fait. Ah!
me dit rien qui vaille ce truc. Un tracker ou quoi? Oui, t'es mon élève préféré. T'approches pas de moi! Quoi, c'est toi qui mènes la danse? C'est à ça que tu joues? Hector, il semblerait que je perds le contrôle de la situation. Tu remballes tout et... tu ouvres Kiss en deux comme un vulgaire cochon, ok? Attendez! Deux secondes. T'as dit quoi, là? C'est vous qui menez la danse. Ah. Hector! Bonne nouvelle! Je pense que je reprends le contrôle. Ouais, laisse Kiss tranquille. Ouais. Alors, tu l'as retrouvé, mon couteau? J'y suis presque, ouais. Presque, monsieur. Sérieusement? D'accord, d'accord, j'y suis presque, monsieur. Vas-y, place le morceau de la boussole. Très bien. Bon, ben moi je vais y aller. Sois prudent. Seul indique le bas de la pente. Quoi? Tu dis pas bonjour. Oh, c'est dommage. Nouvelle leçon. La tombe du capitaine Kong. Selon la légende, il se serait pris pour un pharaon. Il aurait forcé les natifs à construire ça avant que Zhang Yi ne débarque pour ruiner son empire. Personne ne savait où elle se trouvait. Mais... moi, je dirais que... bon voyage, petit. Je peux le faire sans problème. Thank you.
Qu'est-ce qu'ils foutent ici? C'est Buck qui les a encardés? Y'a intérêt qu'on touche une belle prime, tu vois? J'ai besoin de pognon, moi. Ça rapporte plus autant de plier les bijoux du bois. C'est vrai, sans déconner, maintenant ils nous font perdre notre temps. Enfin bon. Yeah.
couteau est à moi. La même porte que l'autre fois. Vous êtes pas là ? Pas cette fois, mon pote. Tu l'as trouvé ? Le couteau ? La tombe ? Ouais, j'ai le couteau. J'arrive. Rendez-vous chez moi. Tu l'as trouvé. Allez, donne-le-moi. D'abord, Kiss. D'accord. Derrière la porte. Faut leur rendre ça aux Chinois, hein. Quand ils éventraient quelqu'un, ils le faisaient avec style. T'imagines te faire trouer par ça? C'est comme être poignardé par la plume de Shakespeare. Oh, Kiss. Pitié, arrêtez, je vous en supplie. J'en peux plus, pitié. Jason, il faut que tu me sortes d'ici, je t'en supplie. Il faut vraiment que tu me sortes d'ici. Je vais te sortir de là, ok? C'est vrai, tu promets. Il faut que tu me le promettes. Ouais, écoute, à propos, petit, je te suis reconnaissant. Et je voudrais te démontrer toute ma gratitude, tu vois. Mais bien, comme un homme, vrai. Vous avez dit qu'on pourrait partir, enculé! Non. En fait, j'ai dit que Kiss pourrait partir avec toi, mais toi, tu vas nulle part. Kiss et moi, on se tire d'ici! Tu feras ce que je te dirai. Hein? Je te boufferai saignant si tu veux qu'on me pente en dos. Arrête.
Jason. T'es sûr qu'il est mort? Tout va bien se passer. Viens avec moi. Je connais un endroit où tu risqueras rien. Daisy, Lisa et Oliver sont là. Tu crains plus rien. Jason, tu leur parles pas de ça, d'accord? Promis. Le monde est dans la merde. J'ai toujours cru que j'étais fort. Mais j'avais tort. Allez, tu t'en remettras. Tu verras. On va tous y rester. Je récupère Riley. Et on sera bientôt rentrés à Santa Monica. Riley est mort. Désolé. Il a essayé de s'enfuir et ils l'ont descendu. Kiss ! Je suis navré. Kiss ! Merde. Hé hey. Riley. Merde, t'en as bavé, on dirait. C'est une longue histoire. Aidons-la à se nettoyer. Ils l'ont tué. Vass et Hoyt, ces deux fils de chienne. Un frère, c'était pas assez. Je les aurais. Je les tuerai tous. Je le jure. Je vais t'aider. Je vais m'occuper de toi. Arrête de rapporter tout ça à nous. Attends, mais de quoi est-ce que tu parles? Mon frère est mort. J'ai besoin de temps. Seul, ok? Ok. Je suis là si t'as besoin de moi.